Régis Castagnier, bonjour et merci de nous Bonjour accueillir Yves. ici. Nous sommes au siège donc d'Equinix en France. Tout à fait. Peut-être revenir un petit peu sur l'historique d'Equinix en France et la position d'Equinix au niveau mondial. Le rappel d'abord. Oui, alors ça tombe bien en plus parce que hier nous venons d'annoncer nos résultats annuels, donc qui continuent à profiter de toutes les vents de digitalisation, de numérisation de l'économie, et en particulier bien sûr de l'intelligence artificielle, avec 7 milliards et demi de chiffre d'affaires, et nous avons désormais 21 ans de croissance consécutive, donc une jolie histoire. Notre valorisation boursière nous positionne numéro 10 sur l'échelle du CAC 40. Donc voilà, c'est une très très belle histoire qui aujourd'hui a 25 ans dans le monde et qui a commencé en France il y a une quinzaine d'années pour aujourd'hui aboutir à 11 data centers, très précisément 368 salariés au 1er janvier. Voilà, 83% du CAC 40 hébergé dans nos data centers et une implantation majoritairement bien sûr sur Paris, mais également une ouverture récente sur Bordeaux avec le câble Amitié, cet énorme câble transatlantique qui atterrit dans notre data center bordelais. Voilà, donc une belle actualité. Et puis on parlera peut-être après du PPA, de la société à mission. C'est des choses d'actualité On va y également chez nous. revenir, tout à fait. On en profite juste, puisqu'on t'a aujourd'hui avec nous. Et puis, par rapport à cet article que l'on prépare sur Data Center Magazine, qui est le nouveau média que l'on a créé, pour rappeler un petit peu, justement, d'une part, cette historique, et puis le positionnement d'Equinix. Tu l'as dit, avec un certain nombre de data centers, une position également au niveau mondial, hein, le 7 milliards, c'est le chiffre d'affaires mondial Tout à fait, d'Equinix. oui. Donc, Equinix a toujours eu une position de leader, hein, en la matière, même si on peut discuter entre le nombre de data centers. Nous, on aime bien aussi parler du chiffre d'affaires et je dirais, de la surface d'actionnariat Tout à que fait. représente Equinix, qui est quand même leader en la matière. Et dans notre monde qui est extrêmement intensif en CapEx, hein, pour rappel, Equinix a investi 36 milliards dans notre plateforme depuis que nous sommes créés, a investi un très gros milliard déjà en France, a annoncé à Choose France au mois de juin investir un autre milliard dans les 5 prochaines années, dont à peu près 800 millions sont déjà engagés. Donc voilà, c'est une industrie qui a besoin de capitaux. Et dans ce monde-là, Equinix est de très très loin le numéro 1, avec actuellement à peu près 3 milliards de cash devant nous, une grosse capacité d'investissement et puis des résultats qui, comme ils ont été annoncés hier, qui nous supportent et qui nous permettent de continuer à investir. Cette année, on va investir à peu près 3 milliards et demi juste dans nos data centers qu'on appellera retail, plus dans les data centers hyperscale. Donc voilà, une grosse actualité financière. Tout à fait. Et puis, en même temps, des activités produits. Alors, c'est plus étonnant, produits et services, avec entre autres des engagements vers l'intelligence artificielle, Oui. vers des choses comme ça. Et puis, sur les interconnexions, où aussi vous vous positionnez comme étant le leader mondial de cette partie, je dirais, de gestion des flux, Tout à fait. finalement. Alors effectivement, tu précisais notre positionnement. Je pense qu'il y a deux éléments qui sont à retenir. Le premier, c'est cette plateforme globale. Alors aujourd'hui, on couvre 83% du PIB mondial. Donc partout où il y a une économie, normalement, il y a un data center Equinix. Et la particularité que nous avons, et là-dessus, je sais que nous sommes assez exceptionnels dans le sens où ça n'existe pas ailleurs sur le marché, c'est d'être capable de vous proposer le même contrat, le même service, les mêmes SLA, le même portail, exactement la même chose partout sur la planète. Et ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, 86% de nos clients sont à minima dans deux pays avec Equinix. Donc ça, c'est une première particularité. Deuxième particularité, c'est l'interconnexion. Là aussi, si on prend simplement la masse de l'interconnexion qu'on génère, et les chiffres le prouvent encore tels qu'on les a annoncés hier, on a autant d'interconnexions dans nos data centers, ou plutôt précisément, on a créé autant d'interconnexions dans nos data centers dans le dernier trimestre que la somme de nos 10 premiers concurrents. Donc très clairement, on peut parler de leadership et questionner le leadership sur beaucoup de points de vue, mais d'un point de vue financier, d'un point de vue plateforme globale et d'un point de vue interconnexion, voilà, on peut dire qu'Equinix a effectivement une très belle position. En restant humble,
peut toujours faire mieux et il faut toujours rester humble sur ces sujets, mais en ayant quand même une très belle position au niveau mondial. Revenons sur les interconnexions. Equinix vient de sortir son rapport annuel, tout à fait. Hein, qui est important. Oui. Moi, je ferais juste une remarque avant qu'on l'évoque. Tu as employé plusieurs fois l'expression plateforme. Mm-hmm. Je crois que c'est un point qui est important. On l'employait un petit peu précédemment ces dernières années, on l'emploie moins aujourd'hui. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, Equinix propose une véritable plateforme mondiale. Et ce qui permet d'ailleurs d'avoir une autre vision que l'on voit sur l'étude, hein, dont tu vas nous parler, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a les hubs, les grands hubs, Paris mm-hmm. en est un. Mm-hmm. Et puis il y a aussi une autre vision qui est celle d'une forme de edge. Sauf que chez Equinix, le edge, on est plutôt sur des hubs secondaires. Oui. Alors, effectivement, Equinix voit le edge à l'échelle de la planète. En fin de compte, ce que l'on propose, prenons un exemple récent, on a annoncé que Alice and Bob, une des pépites françaises dans le domaine du quantique, allait proposer son offre de Quantum as a Service à travers notre plateforme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un fournisseur de services qui a une offre assez exceptionnelle et avec, je l'espère, un très bel avenir, va proposer à l'ensemble de nos 10 000 clients dans le monde de pouvoir accéder à leur offre de Quantum as a Service. Et c'est ça, cette notion de plateforme. C'est comment l'alliance d'un industriel global, qui est un petit peu le sous-jacent de toutes ces tendances et de tous ces service providers, permet à des sociétés comme Alice and Bob de pouvoir jouer à l'échelle de la planète. Et donc, quand on parle de edge computing chez Equinix, effectivement, on parle de l'échelle de la planète. Tout à fait. Alors, tu viens de nous parler de quantique. Je pense que tu l'as vu également. On commence à s'y intéresser, nous, en tant que Data Center Magazine. Hein. On a travaillé avec IBM là-dessus. Et on va développer ce sujet, puisque c'est un sujet d'avenir. Mais parlons tout de suite du sujet immédiat. C'est plutôt l'IA, l'intelligence artificielle. Alors, il y a eu deux choses. Equinix avait acquis une start-up qui développait du bar métal. Et puis on commence à le voir, parce qu'on se demandait où est-ce que ça en était, vous aviez fait l'acquisition. Or, il se trouve que, également, ce développement du bar métal, il se fait au travers des offres d'IA que vous allez pouvoir proposer à vos clients. Mais j'ai envie de poser une première question, peut-être, avant, c'est, il y a une vraie demande ? Les clients sont très, très en attente de services d'IA, ou d'infrastructures, pour supporter leur IA, d'ailleurs. Là, c'est pas moi qui vais parler, c'est Nvidia qui va parler, qui s'est exprimé récemment à nos côtés lors de l'analyse day où on a positionné nos résultats financiers. Et on avait un des patrons de Nvidia qui a clairement expliqué que quand on parle d'algorithme, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle d'algorithme et de base de données. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà, il faut héberger, donc il faut bien avoir une plateforme d'hébergement pour cet ensemble-là. Et deuxième chose, ça veut dire qu'il faut bien interconnecter les deux. Un algorithme sans base de données, ça ne fonctionne pas. Et donc, là où Equinix est idéalement positionné, c'est parce qu'on a justement cette capacité globale d'hébergement, mais également cette capacité globale d'interconnexion. Et d'ailleurs, peut-être l'avez-vous vu, on a annoncé un partenariat exclusif avec Nvidia, où leur offre DGX, une offre, on va dire, de consommation d'IA privée, qui déborde dans le cloud de Nvidia, mais potentiellement également dans tous les autres cloud service providers, est disponible désormais exclusivement chez Equinix. Donc ça, c'est une belle preuve, je dirais, parce que c'est l'alliance du numéro 1 mondial, hein, à peu près 80% du marché de l'intelligence artificielle, c'est Nvidia qui l'a, et je pense du leader mondial du data center, et cette alliance-là a pour objectif de faciliter l'accès à l'intelligence artificielle pour nos clients. Donc pour revenir à ta question, l'intelligence artificielle pour nos clients, elle s'est énormément développée, bien sûr, aux États-Unis, bien sûr, avec les hyperscalers. La vague que l'on voit aujourd'hui, et c'est la vague également qu'on décrit dans notre rapport d'interconnectivité mondiale, c'est une vague où on est sur de l'intelligence artificielle privée, donc où là, les entreprises vont aller travailler sur leur base de données avec des algorithmes qui sont disponibles et vont pouvoir exploiter ces bases de données grâce à la puissance de l'IA. Et ça, pour éviter que cela aille et que ça crée des problèmes de souveraineté, entre autres, et de territorialité, eh bien, ça va se passer dans des data centers localisés, donc en l'occurrence, ici en France. Parlons un petit peu supply chain quand même. Mm-hmm. On sait qu'aujourd'hui, sur les projets d'IA, on va avoir 3 années difficiles parce qu'il y a la production des puces qui a du mal à suivre. Il y a une demande qui est extrêmement forte. Dans le même temps, il y a une question de compétences qui ne sont pas forcément acquises pour tout le monde. Est-ce que Equinix va être... Et puis, dernier point aussi,
l'adaptation des lieux. C'est-à-dire que ce n'est pas aussi simple, parce qu'il faut du refroidissement, entre autres du liquid cooling, des choses comme ça, qui ne sont pas forcément dans les pratiques des gens qui font de l'hyperscale ou du data center de haut niveau. Comment Equinix répond à ces questions? Alors là encore, je citerai Nvidia, parce que je pense que c'est quand même l'expert en la matière, qui, si vous allez voir Nvidia, ils vous diront la même chose. Ils vous diront, n'essayez pas de construire votre IA privée dans votre data center, parce que les capacités de votre data center ne sont pas compatibles avec les exigences de l'IA. On parle de puissance électrique par rack qui sont extrêmement importantes. Là où l'air cooling n'est plus suffisant, on est obligé de passer à des stratégies de liquid cooling, ce qu'on a mis en place d'ailleurs. On en a disponible, en particulier dans nos data centers, le dernier né à Saint-Denis. Ceci n'est pas faisable dans un data center, on va dire, ancienne génération. Donc, une des raisons pour lesquelles Nvidia a conclu cette alliance avec Equinix, c'est qu'on est capable de déployer cela partout dans le monde, dans tous nos data centers de génération. On a annoncé également récemment qu'on avait aujourd'hui dans le monde 100 data centers qui sont prêts à accueillir du liquid cooling. Donc, l'intérêt de Nvidia, c'est de se dire, si je veux développer ces projets et les développer rapidement, allions-nous avec ceux qui ont le plus de capacité de liquid cooling sur la planète. Oui, on le constate d'ailleurs, il y a beaucoup d'alliances qui sont en train de se former actuellement et qui sont importantes, parce qu'il faut garantir donc la pérennité des projets. Oui. Revenons sur les interconnexions. Donc Nvidia vient de sortir son rapport d'interconnectivité, qui est toujours très intéressant parce qu'il nous donne les tendances sur les flux. Quelles sont les tendances de cette nouvelle édition? Alors, il y a une chose qui est une tendance constante, c'est l'accroissement de l'interconnexion versus l'Internet. On voit une croissance qui est deux fois supérieure dans nos data centers, donc cette notion d'interconnexion entre un client et son fournisseur versus la croissance de la bande passante sur Internet. Mais on voit également d'autres tendances, en particulier la tendance qui amène toutes les entreprises, en particulier les grandes entreprises, à devenir des « digital providers ». Dans notre rapport, on dit qu'en 2026, 90% des entreprises du Global 2000, donc des plus grandes entreprises mondiales, deviendront également, pas uniquement des consommateurs de digital, mais des fournisseurs de digital. On a également analysé les Fortune 500, donc ces 500 plus grandes entreprises mondiales, où là, on voit que, même chose en 2026, chacune de ces entreprises sera connectée à minimum à 4 hyperscalers. Donc, on est vraiment sur le multi-cloud et sur le cloud hybride. Donc on continue toujours sur cette même tendance, mais également à plus de 30 SaaS providers. Donc, on voit vraiment ce développement de la consommation as a service. Et donc, la consommation de as a service, ça nécessite d'avoir une interconnexion entre vous, l'entreprise, et votre service provider. Donc ça continue à croître de manière très importante. Et puis après, peut-être à noter également ce qu'on ne voyait pas encore beaucoup, mais qui maintenant devient un critère de sélection, qui est la notion de développement durable, et qui aujourd'hui, pour toutes les entreprises, devient un véritable critère de sélection. Une question quand même sur la partie technique. Est-ce qu'on a une augmentation de la bande passante ou des outils qui permettent d'avoir des vitesses plus rapides ou des quantités plus rapides de data qui circulent, ou est-ce qu'on reste encore sur des réseaux plus classiques encore, alors qu'on sait qu'il va y avoir émergence de nouveaux types de réseaux peut-être? Oui, alors... On le voit par exemple sur les caps sous-marins. On commence à avoir en entrée et en sortie de grosses machines quand même aujourd'hui qui permettent la... Et l'exemple du câble Amitié, hein, c'est 320 terabits qui arrivent à Bordeaux sur un câble qui, si vous avez l'occasion de voir ce câble, en fin de compte, le câble, c'est l'épaisseur du doigt. Donc c'est vraiment impressionnant, et ces câbles de nouvelle génération ont des capacités qui sont colossales. Exactement. Pour rappel, le premier câble, c'est Orange qui nous disait cela récemment, date des années 1850, et à l'époque on était à 4 mots par minute. Aujourd'hui, avec ces 320 terabits, on est capable d'inonder des millions de foyers avec des vidéos. On était sur une version Netflix, de l'internet qui était quand même assez particulière, on était loin même. Mais en effet, oui. Ok. Et donc, est-ce que Equinix apporte aussi des solutions sur cette partie technologique? Alors,
Là aussi, c'est un des enseignements de notre rapport, c'est la croissance de la consommation as a service. De moins en moins de CAPEX sur le métier des infrastructures, de plus en plus de consommation as a service. Et ça, c'est un domaine dans lequel on a investi il y a maintenant à peu près 3 ans. Tu le mentionnais tout à l'heure, l'acquisition de la société Paquette, du bare metal. Donc cette capacité, en fin de compte, d'avoir un data center as a service, mais dans les data centers Equinix, avec la qualité, l'excellence opérationnelle à laquelle on s'attache tous les jours. Ça, c'est la notion de data center. Ensuite, on a la notion d'interconnexion. Là, on est sur base de SDN, et donc ces interconnexions, elles sont créables au bout d'une console en quelques minutes, j'allais dire secondes, n'exagérons pas, disons quelques minutes, mais là, on est vraiment également sur la consommation as a service, et vous pouvez la consommer à l'heure, à la journée, donc sans avoir cette obligation d'investir lourdement. Et puis après, il y a les points de présence également, les points de présence réseau. On avait annoncé par exemple avec Orange un accord où Orange allait positionner ses VPOP, donc ses POP virtuels, sur des machines de bare metal dans les data centers Equinix. Donc tout ceci est en forte croissance et on voit vraiment de plus en plus ces entreprises aller vers cette consommation as a service. Mmh, tout à fait. Est-ce que ça change le métier d'Equinix, ou en tous les cas les métiers des techniciens? Et ce qui va nous amener à évoquer les hommes bientôt. Donc, alors, pour être très franc, le métier du technicien, le métier du data center, on est toujours sur de l'hébergement et toujours sur la connectivité. On a des outils de plus en plus performants, mais in fine, et je le sais parce que, en l'occurrence, hier, j'étais dans un de nos data centers, j'ai fait une journée vie ma vie. Donc, j'ai passé la journée avec des techniciens à raquer des serveurs et à faire ce type de gestes. Objectivement, de ce côté-là, on n'a pas énormément évolué. C'est plus au niveau du go-to-market et de l'offre et du mode de consommation, donc de comment on va permettre aux clients de consommer ce que nous faisons dans nos data centers. Nos exigences sont toujours les mêmes, c'est toujours la disponibilité, et ça reste le cœur du métier du data center. Régis, nous sommes ici au siège donc parisien d'Equinix. On a un très beau fond végétalisé, fait, oui. c'est assez étonnant, mais ça donne aussi une indication sur les réflexions et les priorités du groupe. Ce qui est intéressant aussi pour le fait d'être ici, c'est qu'on n'est pas dans un data center, mais il y a des équipes qui tournent ici, il y a des gens qui travaillent. C'est bien le rappel que derrière un data center, il y a du monde, bien sûr. Il y a des salariés. Et puis, quand on critique beaucoup le data center en disant que ça ne crée pas d'emplois, ce n'est pas tout à fait vrai. 328 salariés, c'est ça, en 368 France 368 aujourd'hui. Et on fait des statistiques fréquemment sur les entrées et sorties dans nos data centers. On a une entrée et sortie dans nos data centers toutes les minutes et demie. Donc, on est vraiment sur des centres de vie, des centres d'échange. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un data center, ça vit. Et d'ailleurs, c'était un des enseignements de cette étude. C'est qu'on voit un accroissement, une multiplication par deux de l'accroissement, plutôt de la diminution de la durée de vie des équipements et donc du refresh technologique. Et ça pour suivre, entre autres, ces sujets autour de l'intelligence artificielle. Ouais. Donc, bien évidemment, quand il y a refresh technologique, il faut aller dans le data center, il faut aller récupérer ses anciens serveurs et remettre des nouveaux serveurs. Donc, effectivement, c'est des vrais centres de vie et d'activité. Ce qui est quand même assez étonnant, puisqu'il y a un des objectifs qui est d'augmenter la durée de vie des produits dans les data centers, mais dans le même temps, le constat, il est que la technologie évolue, il faut les renouveler régulièrement. Tout à fait. Et qu'il y a un besoin de performance, et qu'effectivement, également, quand on passe sur des technologies liquid cooling, on peut diminuer de manière très importante le PUE, et du coup, on a aussi un impact environnemental positif. C'est ce que je dis toujours, l'impact environnemental, c'est pas juste un bout de la chaîne, ça doit être calculé sur l'intégralité de la chaîne. Parlons des femmes et des hommes, donc. Des hommes, allons-y. Et de l'engagement et de nos collaborateurs. Je dis toujours les femmes et les hommes, parce qu'il faut rappeler qu'il y a aussi des femmes dans les data centers. 26% quand même chez nous. Donc, c'est important, oui. Tout à fait. Ça augmente. Et ça augmente, on en est très, très heureux, tout à fait. Ouais, c'est bien, il faudra nous les amener, on va les faire parler. Allez, Equinix est devenue une entreprise à mission. Tout à fait. Alors ça, c'est un sacré engagement. Alors ça, c'est un vrai engagement pour la petite histoire qui est liée à la loi Pacte que le gouvernement a voulu. Et elle a voulu que les entreprises s'engagent non pas uniquement sur des résultats financiers, mais sur des résultats
extra-financier. Un peu la même idée que la CSRD, hein, qui oblige désormais à avoir un reporting extra-financier, principalement sur les sujets environnement pour la CSRD, mais pas que, également sur la gouvernance et l'impact sociétal. Et bien, l'entreprise à mission, c'est ça. C'est-à-dire, on inscrit dans nos statuts, donc c'est visible de l'ensemble de ceux qui souhaitent le constater, c'est dans notre CABIS, la mission que nous avons définie, et on embarque l'ensemble de l'entreprise dans cette mission. Donc la mission, c'est quoi pour Equinix? C'est d'être la plateforme, on revient sur cette notion de plateforme, où le monde se rassemble, donc on est vraiment sur cette idée d'écosystème, pour favoriser les innovations qui transforment notre travail, notre vie et notre planète. Ça, c'est la mission d'Equinix, c'est notre raison d'être, telle qu'on l'a inscrit dans nos statuts, et qui se décline en trois objectifs. Donc il y a un objectif que vous voyez ici, effectivement, c'est la notion de développement durable, mais appliqué au digital. Comment on favorise le développement d'un digital durable? Donc ça, c'est la première mission que l'on s'est donnée. La deuxième mission est autour de nos talents, et en particulier des notions d'inclusion et de diversité, qui sont très chères au cœur d'Equinix et qu'on développe dans l'ensemble de nos activités dans le monde. Et puis le troisième sujet, c'est l'inclusion digitale. On a lancé une fondation il y a maintenant à peu près un an et demi, 50 millions de dollars dans cette fondation, pour lutter contre l'exclusion, le fléau de l'exclusion digitale. Et donc nous, Equinix France, on a décidé de s'engager encore plus en amont. On le fait aujourd'hui déjà avec Emmaüs Connect, on le fait avec Bordeaux Mécène Solidaire, et on va continuer, grâce à ce statut d'entreprise à mission, à avancer sur ces sujets. Est-ce que, en dehors de cet engagement avec ces associations, est-ce que tu as d'autres exemples complets et concrets à nous apporter? Oui, alors sur les sujets du développement durable, on a fresqué l'ensemble de nos salariés. Donc les 368 salariés sont passés par un outil qu'on appelle la fresque du climat, qui est un workshop qui permet d'éduquer les collaborateurs, enfin d'une manière générale, d'éduquer n'importe quelle personne, sur les enjeux climatiques. C'est quoi les causes et les conséquences de ces transformations qui sont en train de se passer? Partant du principe que si on est éduqué sur les enjeux climatiques, l'impact carbone que nous avons, nous, en tant qu'individus, diminue en moyenne de 30%. Et donc, il y a cet objectif de faire en sorte que chaque collaborateur, et donc les familles également, nos collaborateurs, soient plus respectueux de l'environnement. Et puis, un deuxième objectif qui sont tous nos objectifs à nous, Equinix, en matière de développement durable. Et on a vu une véritable accélération. C'est ça qui est fabuleux, grâce à l'engagement des collaborateurs sur le nombre de projets que nous avons autour du développement durable et qui ne touche pas que la notion de PUE et d'efficacité énergétique, qui touche tous les compartiments de la vie de l'entreprise. Et ça, c'est, je pense, une belle réalisation. Tout à fait. Une question en aparté. Est-ce que tu as obtenu d'avoir le logo Equinix au fond de la piscine des Jeux Olympiques? Non, malheureusement. Alors, j'en ai bien rêvé, mais c'est une bonne question, effectivement, puisque notre data center de PA10 alimente, entre autres, la piscine olympique, mais également 1600 logements autour de la piscine olympique. L'inauguration va avoir lieu dans 2 mois approximativement, où j'espère que tu seras présent également. Et peut-être un point sur lequel je voudrais insister. Fournir gracieusement pendant les 20 prochaines années la chaleur de nos data centers, donc la chaleur de la consommation des usages numériques qui sont dans nos data centers, c'est pas juste entre guillemets un geste citoyen, mais c'est également un geste pour l'efficacité énergétique du data center. Quand je fournis ma chaleur au nageur qui est dans la piscine, ce nageur va absorber une partie de cette chaleur et va me restituer de l'eau moins chaude que celle que je lui ai envoyée. Et donc j'ai moins besoin de réfrigération et donc j'améliore mon PUE. Donc vous voyez, c'est ce que j'aime toujours, c'est quand l'écologie rencontre l'économie, on a vraiment quelque chose d'extrêmement vertueux. Tout à fait. Et puis peut-être il y a la notion de PPA. On y vient, justement, voilà. C'est le moment. Donc le rappel, signature d'un contrat, enfin une série de contrats d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y en a pas qu'un, qui fait que Equinix France est le premier consommateur de PPA, c'est ça? Alors, et le premier signataire de PPA, effectivement, c'est le plus gros PPA éolien qui n'ait jamais été réalisé en France, avec 4 fermes éoliennes en région Nouvelle-Aquitaine, 2 dans les Pays de la Loire et 1 dans les Hauts-de-France, qui nous permet de fournir à peu près 100 mégawatts d'énergie. Pour donner un équivalent, ça correspond à 664 000 logements qui vont être désormais alimentés par ces nouvelles sources que nous créons. Donc on était déjà 100% d'énergie verte hein, dans nos data centers. On achetait des garanties d'origine, mais avec des sources d'énergie verte qui étaient déjà existantes. Et là, on a voulu aller plus loin, c'est d'être contributif
au réseau et donc au verdissement du mix énergétique français, qui pour rappel est un des meilleurs en Europe. Le mix énergétique français est 5,4 fois meilleur que le mix énergétique allemand, par exemple. Donc on a vraiment un gros avantage compétitif ici. Et donc l'engagement d'Equinix, eh bien, c'est de poursuivre sur cet avantage compétitif et d'aller créer des nouvelles sources d'énergie pour aller alimenter le réseau français. Alors, il faut peut-être rappeler ce qu'est un PPA, parce que tout le monde n'en a pas forcément la pratique. Effectivement. Donc, le PPA, c'est ce qu'on appelle un Power Purchase Agreement. Mm-hmm. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, en tant que gros consommateurs d'énergie, nous sommes capables de nous engager sur des délais très longs, sur 20 ans, à acheter une certaine quantité d'énergie à un certain prix. Et donc, c'est cet engagement que nous prenons qui permet aux créateurs de sources d'énergie d'aller se financer à moindre coût et donc de pouvoir financer leurs projets. Donc, en fin de compte, on n'opère pas, hein, bien évidemment, ce n'est pas notre métier. Par contre, on permet, on rend possible ces projets grâce à notre engagement. Et ça, on en est très fiers. Hein. C'est un projet sur lequel on a commencé à travailler il y a maintenant 3 ans. Donc c'est long, c'est compliqué à mettre en œuvre. Mais on est effectivement très fiers d'avoir réussi à le faire aujourd'hui en France. Et j'en profite aussi parce qu'on le fait à l'échelle de la planète. Je pense que tu avais noté, on a un engagement d'avoir 100% d'énergie verte dans l'ensemble de nos data centers à l'horizon 2030. On en est déjà à 96% à l'échelle mondiale. Il nous manquait un petit 4% qui venait principalement d'Australie. Et nous avons aussi annoncé, il y a maintenant une semaine, 151 MW d'énergie qui allait être produite en Australie. Et donc, on est maintenant on track pour atteindre notre objectif de 100% d'énergie renouvelable en 2030. Une aparté, peut-être pour terminer. Il y a énormément de projets qui sont en train d'émerger en France. Mm-hmm. Est-ce que, quand on est opérateur un des plus gros, des plus importants, est-ce qu'il n'y a pas une inquiétude quand même à voir toute cette concurrence qui se crée et qui va, tout le monde va consommer de l'énergie, alors qu'on se dit qu'aujourd'hui, le programme nucléaire, par exemple, il est sur 15 ans, donc on va avoir une progression dans la production d'énergie nucléaire, qui est aussi importante, hein, puisqu'elle couvre plus de 50% de nos besoins. Est-ce qu'il y a, en tant qu'opérateur data center, tu n'as pas une certaine inquiétude ? Tu l'évoquais tout à l'heure quand même. Il y a encore 1 milliard d'investissements qui sont projetés par Equinix dans les prochaines années, sauf qu'il faudra avoir l'énergie. Ouais. Alors c'est un vrai sujet, et si on le rapproche au sujet du PPA dont j'ai parlé tout à l'heure, j'irai quelque part, je ne vais pas aller tirer entre guillemets sur des sources déjà existantes, puisque je crée mes propres sources d'énergie. Donc on est vraiment dans ce mouvement-là où je ne peux que... J'ai incité, en tout cas, je serais ravi de partager notre exemple et notre expérience autour du PPA pour tous les grands consommateurs d'énergie. Et pas uniquement les opérateurs de data center, mais n'importe quel consommateur d'énergie, parce que je pense qu'une des solutions face à ce mur énergétique qui est face à nous, c'est que nous, les gros industriels qui avons cette capacité, mettons nos moyens en œuvre pour aller créer ces sources d'énergie qui, effectivement, risquent de nous manquer. Mais c'est effectivement un très gros sujet et ça peut freiner, et pas juste l'expansion des data centers, mais d'une manière générale, l'économie numérique. Numéum a sorti récemment ses prévisions en matière de croissance du PIB liée au numérique. On est aux alentours de 5,6%. La croissance prévue pour la France cette année est inférieure à 1%. Donc on voit bien que le numérique tire la croissance française. Il ne faut pas qu'on soit bloqué parce que les data centers ne pourraient pas se déployer. Emmanuel Macron l'a rappelé dans son discours de Toulouse il y a maintenant un mois et demi à peu près, c'était mi-décembre. Si on veut développer, en l'occurrence il parlait de l'intelligence artificielle, il faut qu'on ait les pépites de l'intelligence artificielle. Mais le corollaire, il était très clair dans son propos, ce sont les data centers. On doit être une terre de data centers. Autrement, le numérique ne se développera pas et on ne pourra pas continuer sur la très belle lancée que nous avons aujourd'hui, en particulier sur l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a des réflexions sur d'autres sources ? On parle d'hydrogène, on parle du gaz, on va parler de Microsoft, par exemple, qui a mis une unité en route pour réfléchir autour du nucléaire sur des petites centrales qui seraient dans leur data center. Est-ce que Equinix a ce type de réflexion également ? Alors, réflexions qui sont assez avancées. Hein. On a ce qu'on appelle des innovation centers. On en a deux, en l'occurrence, aux États-Unis, où là, on travaille avec différents partenaires pour aller créer
entre autres ce data center du futur, mais en particulier travailler sur les sujets de, sur les sujets d'énergie. Donc oui, c'est bien évidemment clé dans notre développement, et ça pourra faire l'objet d'une autre discussion, parce que tous ces sujets, le sujet par exemple du nucléaire 4.0 qu'on peut utiliser à l'échelle d'un data center, sont encore des sujets assez embryonnaires. On imagine que cette technologie devrait être à peu près mature dans les 10 prochaines années. Mais il est important de s'engager maintenant, comme le fait Microsoft. Une dernière question, on vient de parler de Microsoft. Microsoft est également un client d'Equinix, hein, au même titre qu'on va trouver les hyperscalers d'une manière générale. Mmh. La France a toujours une position un petit peu à part, peut-être aussi liée au fait que, et c'est quelque chose que vous rencontrez au quotidien, on a un environnement réglementaire qui est quand même bien spécifique, qui fait qu'on ne construit pas un data center en France comme on le construit en Allemagne ou en Hollande ou en Grande-Bretagne, et qui plus est aux États-Unis. Mmh. Malgré tout, on les sent, ils arrivent là. Est-ce que l'hyperscale ne va pas devenir un concurrent des grands acteurs de la colocation ? Non, je pense que l'hyperscale est complètement complémentaire de la colocation. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui chez nos clients. Nos clients sont hybrides par nature. Ils ont leur informatique, ce qu'on appelle on-premise, donc dans nos data centers. Ils ont leur informatique chez différents fournisseurs de cloud. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui une troisième brique qui émerge. On revient sur cette notion de data center as a service, puisque quelque part, on peut créer son cloud privé chez Equinix avec cette offre de bare metal. Et donc, en fin de compte, suivant la criticité de la donnée, suivant l'importance du système d'information, on va être plutôt on-prem, plutôt dans le cloud, plutôt dans ce cloud privé. Et je pense que ce qui est important pour, d'une manière générale, les entreprises, c'est de créer, de se mettre en position, grâce aux infrastructures, à pouvoir avoir cette hybridation du système d'information. Et ça, c'est vraiment capital. Ce genre de choses-là, vous ne pourrez pas le faire dans votre data center propriétaire, quelque part en province. Ça doit être dans les data centers où sont tous les opérateurs, tout l'écosystème. Tout à fait. C'est une belle conclusion. Merci. Régis. Merci. Et puis je note qu'on va se revoir bientôt pour avec plein plaisir. D'autres choses et plein d'autres sujets. Avec plaisir. Merci. Au revoir.